Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Le Siège, donc avec trois pauvres Green Slime. Et donc du coup nous allons essayer aujourd'hui une technique plus simple qui ne demande pas à faire tout descendre, mais je crains qu'il ne se téléporte en dehors de la lave. Nous allons voir ça. Voilà, dépose. Non, mais c'est le bazar sur la lave. Donc déjà, on va passer 1000 ans à retirer tout ça. Effectivement, c'est une bonne idée de rabaisser le terrain, au moins pour pas qu'on ait de piscine de lave. Parce qu'après, c'est un peu la galère à retirer. Alors, est-ce que j'y arrive ce coup-ci? Oui. Ah, j'ai pas de chance. Non plus. Non plus. Non plus, ici. Un peu plus, déjà. Alors, ici. Et si on essaye ici et là? Là, j'ai eu de la chance. Ici. Là, j'ai de la chance. Ici, bien sûr, je... Ah, si, c'était... Si, pas si mauvais que ça. Voilà. Ça, un petit siège rondement mené. Alors, est-ce que quelqu'un a percé ici? Toujours pas. Ni. Forcément. Parce qu'en fait, je donne ici. Voilà, normalement, là, quelqu'un devrait pouvoir y aller. Effectivement, si je ne perce pas au bon endroit... C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Là, vous voyez les maisons qui sont en train de se terminer. Donc avec, je l'espère, des nouveaux vitoyens plus ou moins prochainement. Donc on va en profiter pour ralentir le jeu et récupérer tous ceux qui ne sont pas encore équipés dans les nouveaux vitoyens. Donc déjà, on va mettre en transparent. Voilà, donc toi, tu n'es pas équipé. Équipe-toi. Ouh. Alors le problème, c'est que fatalement, mes soldats glandent. Donc je vais perdre un vitoyen, parce que mes soldats glandent. Ah là 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 là. Severely wounded, mortally wounded. Et il meurt. Voilà, ça c'était facile. Donc mes soldats arrivent avec sa tarte à la pomme. Ah là 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 là. C'est vrai que c'est un petit peu loin par rapport à là où ça aurait pu être. Alors là, bien tant que tu y as continué à miner un petit peu, hein. Vous pourriez aussi tuer cette araignée, éventuellement, comme ça, en passant, on ne sait jamais. Ça pourrait être utile. Bon, je crois que j'ai besoin de plus de soldats. Hop. Bon, passer de vie. Passer de vie. Pas assez facile à cliquer. Toujours pas assez facile à cliquer. Ah non, bah c'était déjà seul. Ah non, pas deux. Ça suffit là, dis donc. Bon. Nous revenons au problème précédent. Qui est de... Je n'ai pas assez de soldats et tous mes soldats crèvent lamentablement à une vitesse... qui n'est que peu compatible avec leur métier de soldat. Voilà, on va préparer ça comme ça. Parce que là, je vais avoir assez pour poser mon système de mine.
Et en fait, je vais être plus intelligent d'ailleurs, je vais mettre une porte ici. Porte. Wooden door. Il y a du charbon, du gravier, du fer, de la... Oui, des bottes en goblinite, c'est toujours intéressant éventuellement. Ne pas percer ici pour ne pas se faire inonder chez moi. C'est plus facile quand un héros se décide à faire quelque chose. Bon, maintenant par contre je n'ai plus que 13 vitoyens à la place d'en avoir beaucoup plus précédemment. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son mur ? Qu'est-ce qu'elle fait avec son mur ? Franchement, il y a des gens qui font de ces trucs bizarres. Ah, ma porte arrive. Hop, donc là, ça c'est quasiment tout construit. Ici, c'est presque tout construit aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ici encore ? Bon, je pense que nous allons perdre éventuellement un héros. Hop, on va percer ici. Et on va attendre qu'ils évacuent le fer. Pour créer un mineshaft de fer ici qui va me permettre de faire des armures et des armes de meilleure qualité. Et qui va nous permettre de relancer méchamment cette série dans l'exploration de donjons. Voilà, des personal rooms pour les vitoyens qui voudraient vivre à l'extérieur. Ah oui, ici ils sont en train de... Alors ne me dites pas qu'on tombe... Parfait, du 2 sur 2. Il va falloir par contre que j'excave ici. Et ici. Alors ici il y a eu un peu de visite. Comment elle va ? Elle, ça va, elle va bien. Et c'est une femme qui explore tout. Que là il passe à côté d'une araignée. Ah bah quand même, ça aura presque mis longtemps d'aller taper sur une araignée. Donc voilà, donc ici si je perce ça comme ça, si je perce ça ici comme ça, ah, c'est pas du plus trivial de réussir. Il faudrait qu'ils aillent visiter cette partie-là en espérant qu'elle se connecte pas trop à autre chose. Enfin, on verra. Déjà, pour le moment, il va falloir attendre. Ah oui, il faut que je rallume le moulin aussi. Nous avons failli avoir une famine. Alors, j'ai plusieurs soldats qui ne servent à rien. On va en garder deux. Hop, convert to civilian. Voilà, on va en garder juste deux. Ça suffira. Point. Ah bah ça c'est parfait, dis donc. Du coup, on va percer tout ici. Et on va prévoir du mur. Eh bien. Ici. Non, ouais, c'est... Non, c'est pas du plus intelligent. On va prévoir du mur ici. Je ne sais plus quelle couleur j'ai fait, donc on va reprévoir. On va prévoir du mur ici. Et donc on annule ça. Et du coup, on perce aussi ça. Voilà. Donc là, ils ont un peu exploré. C'est pas si mal que ça. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre sûrement extrêmement longtemps qu'il se décide à venir taper le caillou ici. Donc lui, est-ce qu'il va mourir ? Non, il va bien. Il va bien. Donc voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que quelques vitoyens se décident à faire ce qu'il faut. Pour aller faire un peu de pub pour la ville déjà, hein, parce que quelques vitoyens de plus, on ne cracherait pas dessus. Et aussi qu'ils aillent
ici. Ah bah voilà, ça y est, il perce. Il faudrait aussi retirer et évacuer les minéraux et les cailloux. Ronald, c'est celui-ci, oui, c'est celui-ci, donc. Okay. Ah, bah apparemment ça désintéresse complètement les héros maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de... Comment? Je n'ai plus de bois. Si, j'ai du bois pourtant, j'ai des forêts qui ont repoussé. Qu'est-ce qu'il se passe et d'où viennent la priorité? Ah bah parfait, il a été tué l'araignée qui aurait pu gêner. Non, il faut juste attendre. Ça va bien finir par avancer ici. Enfin un épisode avec un peu d'action. Voilà. Et donc il ne reste plus qu'à... Bah, qu'à surtout évacuer tous les gravats ici. Lightly wounded. Ça serait bien que tu rentres. Hein? J'ai pas trop envie de perdre mes gens comme ça. Sur un malentendu, on peut se faire mal, on peut se briser une côte. Ou même se tuer sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc voilà. Eh bien, je vous propose qu'on se laisse là. Moi, je vais laisser tourner la Véville un petit peu, histoire qu'il range un petit peu tout et que ce soit plus simple pour repartir la prochaine fois. Donc, je ne ferai pas de time-lapse sur ce coup-ci. Je vais les laisser dégager tout ceci, construire les quelques murs et finir de construire les murs ici. Éventuellement attirer de nouveaux vitoyens et on se reprend très bientôt pour la construction de la mine de la Véville. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode.